Jeudi 18 octobre là, fait nous exactement un mois depuis nous installer dans poste là. Une fois encore nous profiter occasion pour nous renouveler engagement nous pour nous travailler dans tête collée avec journalistes et pour nous continuer à collaborer avec tout membre de la presse. Hier mercredi 17 octobre là, marqué 212 l'année depuis qu'on a assassiné Papa Nation en Pont Rouge. Plusieurs événements passés parallèlement à l'activité pour commémorer la date. Le président de la République, là, ensemble avec le gouvernement, présente sympathie et solidarité à tout membre de la presse, parler, écrit, télévisé, en ligne, qui était en difficulté sous parcours, sorti marchand pour venir Port-au-Prince, surtout dans le niveau CEMAC. Nous saluons le courage journaliste. Nous connaissons quelqu'un qui subit gros choc physique et quelqu'un qui subit choc psychologique. Nous profitons de l'occasion pour nous souhaiter un bon rétablissement. Dans la même idée, le gouvernement félicite la police nationale pour le travail et pour le travail fait dans l'occasion du 17 octobre et pour le travail qui continue à faire dans la population ni j'en ai comporté avant. Félicitations, ça doit aller à toute membre police là qui t'ai montré très professionnel la journée dans comportement été adopté. Nous pas oublier personnel bureau secrétaire d'état sécurité publique là qui t'ai protocolé dans exécution plan sécurité journée. Gouvernement voyez sympathie by tout monde qui gagne moun yo qui mouri, moun qui gagne moun qui blessé ou soit qui subit choc psychologique. Nous voyons ce parti tout by moun ki gen business yo ou soit toute activité ou tap mené qui attaqué dans journée. Président et premier ministre là di moun sa yo yo solidaire avec yo. Li mande autorité la justice fait travail yo nan mené bon jan enquête pour konnen nan ki condition moun sa yo victime. Jan sa toujours fait cérémonie officielle pour commémorer journée 17 octobre là. Te commencé dans Pont Rouge. C'est dans Pont Rouge nous connaissons, yo te assassiné Jean-Jacques Dessalines. Président et première dame nan, membre gouvernement et l'autre pouvoir dans l'état, l'idée pour respecter tradition ça, te déposé un jep de fleurs dans pied monument. Pendant cérémonie, en pile disposition te prend à niveau sécurité pour tout bagaille bien passé. Après autorité au fin déplacé, il y a un incident qui éclaté. D'après l'image, il y a un agent USGPN qui recevait un coup de croche dans la tête. Ça t'apprend la cause, il y a un pile tiré. Pour qu'on y ait, l'agent USGPN a rétabli. Il n'y a pas de problème. Dans le moment incident, on a précisé, le président de la République a été déplacé avec tout le reste du gouvernement. Donc, il n'y a pas en danger. Pour anticiper sur les questions éventuelles qu'on a posées, dans ce sens-là, nous pas capable de parler de tentative d'assassinat sous chef d'État. Dans le marchand de Saline, président de la République de discours, a profité le 17 octobre là pour réaffirmer l'engagement pour gommer contre la corruption. Et puis, il profite d'inviter le Premier ministre là pour porter support à toute institution qui concernait, et spécialement institution à niveau de la justice qui a traité le dossier Petro-Caribéa pour bayo en pile encadrement. C'est comme ça, chef l'État a précisé, aucun monde, vraiment aucun monde, n'est pas capable d'échapper à la poursuite de la justice. Dans quatre discours, le président a demandé secteur privé, politiciens, militants politiques, intellectuels, tout le monde qui a un mandat, donc AZEC, KAZEC, délégué ville, député, sénateur, pour faire un seul, pour gommer contre la souffrance de la population, contre la misère, contre l'exclusion, la violence et l'insécurité, et puis tout pour protéger la souveraineté nationale dans la façon de gommer. Nous croyons que c'est normal pour les citoyens de demander un coup de cop béto caribé. Chef de l'État, profitez après le fin d'un appel citoyen pour demander toute autorité dans l'État. Ou sinon, toute autorité qui est dans l'État, qui concerne,
dans la gestion de l'argent pétro-caribéen pour mettre à la disposition de la justice. C'est un devoir moral. Dans une société démocratique, personne ne vraiment, personne ne pas qu'à courir pour la justice. Je te dis déjà dans la conférence que nous avons ici, en parallèle à la justice, ou du moins pour renforcer et peut-être mettre plus de documents à la disposition de la justice, dans le niveau gouvernement, nous avons déjà pris contact avec un pile compagnie qui concernait la gestion de l'argent pétro-caribéen. Nous demandons yo, ben nous éléments d'information sur façon de gérer l'agence, sur façon de exécuter le contrat qui était dans la main. Rapport sur collecte d'informations qui a découlé de éléments d'information, donc de tout dossier à soumettre nous. Rapport ça a venu, puisque son sénateur de la République qui a demandé pour le ministre, eh bien, nous avons pour remettre rapport ça au président de la commission éthique et anticorruption. Dans l'état démocratique, exercice droit pour n'importe qui monde manifester, exprimer les garanties. Comme ça, citoyens yo, nous constaté hier, il y a un pile monde qui était manifesté de façon pacifique. C'est un droit constitutionnel pour citoyens exprimer pensée yo dans l'espace public là, sans pas gain aucune contrainte. Manifestant yo, la manifestation a mandé coûte l'argent pétro-caribéen. Eh bien, dossier dans la justice. C'est la justice, déjà, comme l'idée a saisi de lui-même, c'est seule la justice qui est capable de traiter dossier. Gouvernement n'est pas capable de faire justice. Il y a une institution qui est là pour ça. L'exécutif, c'est un pouvoir. La justice, c'est un autre pouvoir. Législatif, c'est un autre pouvoir. Constitution encadrée, mission. Trois institutions, ça y est. Chaque institution a travail. Suivant la Constitution, il y a un respect, ça qui définit sous action de déposer. La justice vient pour faire lumière sous le dossier pétro-caribéen, la justice a fait lumière. Exécutif là, tant de messages population dans la journée 17 octobre. Là. Engagement prend au côté gouvernement pour une action concrète qui posait pour bailler population satisfaction. Merci beaucoup.